Au début des rencontres, on utilise souvent des méthodes appelées les brise-glace, mais finalement, nos rencontres sont de plus en plus souvent à distance, même si on commence à refaire quelques-unes en présentiel. Alors, quels sont les brise-glace que l'on peut continuer de faire à distance et quels sont ceux que l'on peut transformer pour pouvoir les utiliser également dans les rencontres à distance? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir quelques brise-glace pour les rencontres à distance. Alors un brise-glace, c'est quoi d'abord? Ben, c'est une méthode d'animation pour le début des rencontres. Hein. Et effectivement, ça permet à tout le monde de parler une première fois, puisque chacun va s'exprimer à tour de rôle de façon courte, sans prendre un grand tunnel pour se présenter. Et par contre, ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça permet de savoir aussi, quand chacun présente un petit peu comment il se sent, eh bien, ceux qui peuvent être un petit peu tendus. Après tout, quelqu'un peut arriver et puis avoir pris une prune en arrivant et être un petit peu énervé. Et si on ne le sait pas, on ne sait pas que ça vient de là, eh bien, quand il va être un petit peu plus tendu, disons, avec dans ses relations avec les autres, eh bien, ça va créer des tensions. Mais par contre, si on comprend ce qui se passe, eh bien, on peut être bienveillant avec lui et donc ça se passe beaucoup mieux. Alors, le problème, c'est effectivement qu'on a des réunions à distance. Alors, on avait vu pour les réunions en présentiel quelques activités brise-glace pour commencer une rencontre, mais qu'est-ce qui se passe à distance? Eh bien, on est souvent soit en visio, alors ça peut être en visio interactive, hein, sur Zoom ou d'autres outils, ça peut être Teams ou autre, ça peut être en format webinaire où il y a plutôt une personne qui parle et des personnes dans le chat qui vont poser des questions. Et finalement, eh bien, on a parfois des interactions assez réduites. Alors, ça peut être le chat, ça peut être même simplement un outil de sondage. Et donc, finalement, eh bien, comment on va pouvoir faire ces brise-glaces? Alors, le plus connu, c'est la météo intérieure. Cette météo intérieure, on en avait déjà parlé. Il s'agit que chacun dise en une phrase comment il se sent avec la métaphore un petit peu de la météo. C'est-à-dire, oh, ben, je me sens en plein soleil, là vraiment ça va bien. Ou alors, je suis un petit peu brumeux, là, ce matin, là, j'ai un peu du mal. Ou alors, alors c'est carrément l'orage parce que là, j'ai plein de problèmes en ce moment. Là, c'est très compliqué pour moi, etc. Donc, vous voyez, on peut utiliser ça. Alors, ça marche très bien sur les visios. Alors, lorsque l'on utilise aussi en webinaire le chat, eh bien, on peut utiliser le chat. Mais si vous avez beaucoup de monde, eh bien, vous pouvez aussi utiliser une variante. Cette variante, c'est la faire sous la forme d'un sondage. Dans ce cas-là, vous allez proposer simplement 5 alternatives. Alors, je vous propose le plein soleil. Alors, ça veut dire que je suis plein d'énergie, hein, ou alors quelques nuages, mais bon, c'est pas un gros problème. Ça peut être le soleil voilé. Alors, j'ai un petit peu du mal à héberger, comme je disais, voilà, mais bon, j'ai bon espoir quand même. Les nuages, alors, j'ai plus de problèmes que de bonnes choses, hein, mais bon, et puis, alors, l'orage carrément, lorsque ça se passe un peu plus mal, eh bien, si vous faites un sondage, les personnes peuvent répondre directement dans ce sondage. Alors, évidemment, si vous êtes en visio, le mieux, c'est de faire la météo intérieure classique. Mais ça, c'est bien aussi de changer un petit peu de temps en temps de la météo intérieure. Donc, quelles sont les autres possibilités? Alors, pour ça, eh bien, on va retrouver les métacartes. Alors, rappelez-vous, on en avait parlé avec Lilian Rico, les métacartes faire ensemble pour enrichir l'animation de vos rencontres ici. Et ces métacartes qu'il a réalisées avec Mélanie Lacquérouse, eh bien, présentent bien plus d'ailleurs que des brise-glaces, puisqu'elles présentent beaucoup de méthodes d'animation. Donc, je vous les conseille. Hein, vous pourrez retrouver le lien aussi dans la description. Et finalement, eh bien, c'est quand même très, très intéressant de voir que certains de ces brise-glaces et certaines de ces animations aussi, d'ailleurs, c'est vrai pour les autres types d'animations, peuvent se faire à distance. Alors la première méthode, c'est la méthode des barcamps. C'est une méthode que l'on utilise quand on a beaucoup de monde en général. Eh bien, on va donner juste le prénom et puis trois mots-clés. Alors même des fois, quand on est très nombreux, ça peut être un seul mot-clé. Et ça permet alors d'avoir des mots-clés extrêmement différents. D'abord, c'est très court, donc ça c'est un avantage. Ça se fait très bien en visio, ça peut se faire éventuellement aussi sur le chat. Et ça permet de présenter l'état d'esprit actuel, mais aussi pourquoi pas des attentes. Ou certains, eh bien, aiment bien faire un petit trait d'esprit avec voilà un mot-clé, je sais pas moi, clé à molette. Je ne sais quoi, mais ça a permis à tout le monde de parler effectivement. Deuxième méthode, le portrait chinois. Alors vous connaissez ce jeu auquel on joue avec les enfants, mais c'est aussi très pratique si vous étiez un personnage, si vous étiez un animal. Alors c'est un jeu auquel d'ailleurs a joué aussi, et c'est très bien en introduction, mais a joué aussi Marcel Proust lorsqu'il s'est présenté dans un texte qui s'appelle Marcel Proust par lui-même. Il avait alors 19 ans en 1890 et je vous lis quelques-unes de ses réponses parce que je les trouve assez intéressantes et pour sortir un petit peu du cadre aussi, même quand on est à le portrait chinois classique. Alors on a dit, si vous étiez un héros de fiction, Hamlet, pourquoi pas. Si vous étiez un personnage historique méprisable, alors là il a répondu, je ne suis pas assez instruit. Alors, si vous étiez une fleur, il a répondu la sienne, et après, toute. Et si vous étiez une couleur? Alors, il a répondu, Marcel Proust, la beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie.
Et votre état d'esprit actuel, donc encore une question que l'on peut avoir, qui est un petit peu intermédiaire d'ailleurs entre la météo et le portrait chinois, eh bien la réponse de Marcel Proust à quel est votre état d'esprit actuel, c'est l'ennui d'avoir pensé à moi pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc quelques inspirations, ça montre aussi que l'on peut s'amuser aussi dans ces moments-là, on n'est pas obligé d'être toujours très très sérieux, ça permet de se connecter avec les différentes personnes, mais ça permet aussi de mettre un petit peu de fun aussi dans la rencontre. Alors, troisième solution aussi, la discussion Kanak. Les Kanaks sont réputés pour poser deux questions quand ils se rencontrent. La première, c'est d'où viens-tu et où vas-tu? Alors c'est quelque chose qui est très, très intéressant quand on est en coopération parce que en fait ça permet de se présenter. Souvent c'est un système que l'on fait deux par deux. Mais là, eh bien, on peut proposer à chaque participant de donner deux phrases. Une d'où il vient, donc d'où il parle, comme on dit des fois, et donc quels sont les éléments dont qu'il a déjà fait, d'où il vient, tiens, j'ai déjà fait ça, etc., etc. Et puis où vas-tu? Ben, voilà ce que j'ai prévu de faire prochainement, voilà tout ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Mes désirs et autres. Et ensuite, eh bien, il y a le diagramme avec les pieds. Alors, ce diagramme avec les pieds, normalement, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, puisque là, il faut être en groupe et se déplacer tous ensemble. Alors, c'est évidemment difficile à faire à distance, mais on peut les modifier un petit peu. C'est-à-dire, imaginez qu'on pose des questions, et au lieu de dire, ben voilà, tous ceux qui vont, par exemple, on fait un grand cercle, hein, ça marche très bien pour une grande rencontre, par exemple, vous avez 200 personnes, vous mettez tout le monde en cercle, dans une pièce évidemment assez grande, et puis vous demandez aux gens d'aller au centre s'ils sont, s'ils sont en pleine forme, s'ils viennent de tel endroit, etc. etc. Alors, à distance, ça donnerait quoi? Eh bien, on va plutôt lever la main, ça permet de se compter aussi, puis ça permet de bouger un petit peu, c'est bien. On peut dire moi dans le chat aussi, hein, si on est en chat, ou alors mettre un petit smiley, pourquoi pas. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas mettre plutôt un sondage, parce qu'on va avoir plusieurs réponses, ça serait comme si on avait plusieurs sondages à chaque fois, donc c'est mieux de faire quelque chose de plus interactif en visio ou sur le chat. Et des grandes questions, alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, hein, si vous arrivez de plein d'endroits différents, eh bien, qui vient du nord, qui vient du sud, etc., etc. Si vous arrivez de différents secteurs de votre entreprise, eh bien, vous pouvez aussi poser des questions. Ça permet de se voir et de se compter, et puis aussi de bouger, hein. Mais vous pouvez aussi la question, qui est en pleine forme ou qui est un petit peu brumeux, par exemple. Et puis, on va avoir les gens lever la main. Qui connaît tel aspect, par exemple, un aspect que l'on veut traiter lors de la rencontre, qui connaît bien cet aspect-là, ou alors qui démarre de zéro, par exemple. Donc ça peut être cette question-là ou l'autre, hein, ou les deux, pourquoi pas. Et puis qui est intéressé par tel aspect aussi. Vous voyez, donc on peut poser la question de façon extrêmement différente. Vous posez 2, 3, 4 questions, hein, suivant le temps que vous avez évidemment pour ce brise-glace, parce qu'il ne faut pas qu'il prenne toute la réunion. Mais ça permet aussi de se compter, donc c'est plutôt pas mal. Et ce diagramme avec les pieds, eh bien, on va le faire avec les mains lorsqu'on est à distance. Alors, à vous de jouer. Vous allez pouvoir maintenant varier vos brise-glaces lors de vos prochaines rencontres à distance, qu'elles soient en visio ou qu'elles soient en forme de webinaire. Certains qui ont plus de problèmes de difficultés de connexion sont parfois, même en visio, sont en chat principalement parce que la plupart des personnes peuvent interagir par chat quand ils n'ont pas de webcam par exemple ou de micro. Eh bien, voilà, vous avez pu voir que l'on pouvait faire pas mal de choses différentes. Et comme d'habitude, eh bien, je vous conseille de commenter. Alors, ça aide vraiment ces vidéos à devenir plus visibles sur les réseaux sociaux et sur les blogs et partout. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, hein, mettez des commentaires aussi. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.